Allez, du coup, j'ai pas fini de parler des films, donc je suis obligé d'en lancer une autre. 17, ah, j'ai pas mis à jour. Si, j'ai mis à jour. Il y a des noms, parce que... Alors, 3 cœurs bleus, encore moins de 3 de dégâts. Un tiret plutôt correct. Le trinket, on va dire au revoir. Pas beaucoup de speed et un bouquin un peu mitigé. On me rappelle. On me rappelle, ça c'est encore un livreur, mais pas le même. Attendez. You can run.
Allô? J'ai raté quoi? Allô? Ils vont me rappeler. J'aurai pas le temps de finir. Terrible. Ils veulent me rappeler. Alors attendez. On va faire cette salle. Oui. Ils m'ont dit. Parce qu'en fait j'ai répondu. Je me suis dit c'est la livraison. Pour ma maman. Et ils sont paumés. Parce que c'est possible en Creuse. Mais là, c'était une boîte, en fait. Donc, c'était pas la livraison. Du coup, ça a duré 10 minutes. Voilà. Ah oui, j'ai pas l'orbital parce que j'ai le bouquin. J'étais perturbé en mode... pourquoi? Pourquoi j'ai plus la truc? Et voilà. Hey, Christina. What's up? Ah, mais du coup, j'ai baissé le son et tout. Par contre, ils m'ont dit... c'est pas moi qui gère. Alors... Elle m'appelle pour me dire c'est pas moi qui gère ce client, on vous rappelle. Du coup ils doivent me rappeler, mais genre peut-être ce soir, c'est terrible. Alors, je vais essayer de finir. Et sinon bah il y aura une autre pause. Faudra se démerder avec la pause. Bumbo, c'est Bumbo ça non? Bumbo il peut faire mal après. Au bout d'un moment. Par contre, le truc, c'est que j'ai pas les masses. J'ai pas des masses de dégâts, donc faut quand même que je farme un peu. Faut pas faire l'idiot. Faut pas perdre la streak pour du boulot. Elle est pas hyper haute, mais... Putain, j'hésitais à m'arrêter. Il m'aurait rappelé. Ah, Headless Baby, c'est pas si mal pour faire un peu de dégâts. On va bien tourner autour. Par contre, c'est mieux s'il vient un peu vers moi. Sinon, il sert à rien. Ou au moins les araignées, quoi, qu'il se passe quelque chose. Parce que du coup, je fais zéro focus sur mes larmes. Ça c'est le problème, hein. Focus sur un Les Baby. Zéro gaffe aux larmes. Ah il a pris cher quand même, regardez là. J'ai réussi à le buter avant que l'araignée pop. Plutôt bon son. Bon, vous avez rien manqué, hein. Pas d'inquiétude. Vous n'avez pas le dialogue. Vous n'avez rien manqué. Oh on va voir. Parfait. Les rages des rages qui t'embrassent sur le replay de stream approuve. Oui. Non mais ça va, ça a l'air d'être un truc que je sais faire. Déjà c'est bien visé. Vous savez c'est des sociétés de service. Parfois ils appellent pour dire allez on fait ça là. Ah oui c'est pas du tout ce que je fais. Ah ouais même pas un petit peu. Non non. Ok. Là c'est bien. Là, c'est ce que je sais faire. Lock up. Ça se trouve, ils sont là. Hein. Ça tonne. Ah putain. Ça tonne. Moi, ça tonne pas. Hein. Mais il fait toujours un peu chelou là. J'ai les volets mi-ouverts là. Mais je vois qu'il fait gris-gris. Ah, gris-gris. Des bombes. Ah ben voilà, mais je peux pas les prendre. Faudrait que je vole. Du coup je regarde mon téléphone. Ah putain, il faudrait vraiment une bombe. Juste une bombe. Juste une. Ah voilà. Et là du coup je vais pouvoir farmer le reste des bombes. Parfait. Déjà j'ai fait de la merde. Enfin, c'est... Toc, une bombe pour une bombe avec une chance de... Passage. Ça.
Voilà. Parfait. Le mec qui écoute ce stream en avion se fait plaquer directement. Ça marche le wifi dans l'avion? On peut écouter un stream dans l'avion. Il reste un, j'ai marqué, ça va. Putain, les doubles monstros en petit là. Bien casse-cou. Ah oui, mais j'ai Hive Mind. Du coup, le Rotten Baby, meilleur truc. Ah! C'est correct. Comme deal. Je vais pas prendre le Guppy. Correct. Brimstone. Et vous me dites qu'il reste un rocher marqué alors. Il était où? Là. Bien vu. Bien vu. J'aurais peut-être pu prendre le Guppy du coup. J'aurais pu prendre le Guppy, sortir avec deux cœurs. J'aurais eu trois cœurs avec ce cœur-là. Ouais, je. Ça me coûtait pas grand chose le Guppy en vrai. Pas très malin. Ça commence bien. Ça va. C'est correct. Ah bah du coup je vais peut-être finir avant qu'il m'appelle. Incroyable. On continue la liste. Ah oui. On était où? On en était à Métropolis, vous m'avez dit, c'est Métropolis, c'est à voir. Okay. Donc ça c'est noté. Ensuite Emmanuel, mais vous m'avez déjà dit on va se faire chier. Donc Emmanuel, pas culte. Emmanuel, on va se faire chier. Ensuite Tron. Ah oui, j'ai noté Tron et Tron. Tron. À chaque fois on digresse, mais oui. Alors Tron, j'ai noté parce que j'ai pas vu Tron. C'est pas fou, c'est pas culte. Est-ce que c'est référencé partout par exemple pour en faire un truc culte? Emmanuel, c'est un film érotique, pas un film de culte. C'est pas le même. C'est un film de culte. C'est laid aujourd'hui Tron, d'accord. Mauvaise... mal vieilli. C'est pas mal. J'aurai pas mon item room, sauf si je trouve ma secret room. Là. Là. Ah, là-bas. Il y a une nouvelle version il y a quelques années? Ah, peut-être. La version remasterisée? Bon, pourquoi pas, hein. Moi, c'est pas le problème. Une clé? Non. C'était moisi. C'était une suite? Oh merde. Soit l'original remasterisé. Oui, de toute façon, on regarde en général les originaux. Sauf si le remake a du sens. Pour l'instant, c'était pas le cas. Enfin, et j'aurais pas mes clés. RIP. Pas indispensable. J'aurais une clé, mais en échange d'une bombe. C'est un peu chiant. Pas indispensable, d'accord. Tchou. Oh, bonjour toi. Non, c'est hors de question. Ensuite, la liste de Schindler. Liste de Schindler. Culte ou pas culte? Clairement, d'accord. Ça, c'est culte, à voir. Oh là, ça, il y a zéro débat. Là, les gens, ils disent go, go, go. Ok, donc ça, c'est bon. Toum. Ça va te couper les cheveux, Beatnik. Qu'est-ce que t'as, wesh? History of Violence, vous m'avez dit oui. History of Violence, vous m'avez dit oui. Il me semble que vous m'avez dit oui déjà. La leçon de piano. Très bien. History of Violence, avec le délai, j'imagine que c'est plutôt ça.
Rajoute les incorruptibles. Quoi? Vulking, tu me dis des trucs? C'est bien que je note pas ce que tu me dis, Vulking. Faut que tu le fasses dire par quelqu'un d'autre. Oui, pour la leçon de piano, d'accord. Bon, les incorruptibles, je note alors. Incorruptibles. Ça me fera des choses à chercher sur, sur Allociné, là, pour mettre les réals et tout. Vous vous rendez compte du travail que vous me donnez, là? En vrai, je fais ça en écoutant des OST, là, c'est bien. Le pianiste, en parlant de piano, est-ce que le pianiste est aussi culte? Astérix, j'ai les vues de King. Non, pas quoi. Bon, les deux me vont vu que mon actif est pas ouf de toute façon. Le pianiste, oui. Et. Le pianiste et la leçon de piano, d'accord. The Big Lebowski. Culte ou pas? Ban Titis pour cette mauvaise blague. Non mais non. Oui, oui pour Big Lebowski. Culte Lebowski, ok. Confirmé. Il est mieux mon trinket, je pense. Ajoute Fargo. J'ai pas déjà mis Fargo. Jackie Brown de Tarantino. Plus un pour culte. Ok. Oui, d'accord. C'est pas clair, Jackie Brown. Après, je suis pas un gros fan de Tarantino. Pas le plus notable. Ah bon, d'accord. Pas de cet étage. Cet étage de mort là. Mad Max, on a dit 1 et 2. Bagdad Café. Culte, Bagdad Café, un Mad Max 1 et 2, vous m'avez dit. Hein. 3 moins. Mirantique. Bagdad Café, oui pour moi, ok. Il a beaucoup vieilli. Ah. Ouais, Mad Max il a impacté la pop culture, ouais, ça faut que je le mette. Faut que je le mette au moins pour ça. Bagdad Café, vous m'avez dit oui. Autant n'emporte le vent, vous m'avez dit vite teuf. Genre on s'emmerde. Coup de foudre à Notting Hill dans les comédies romantiques à culte, puisqu'on avait peu de comédies romantiques, il fallait en rajouter. Est-ce que coup de foudre à Notting Hill est à rajouter? Ou est-ce qu'on s'emballe? Pas le genre de film qui marque le cinéma. Enfin, si justement on disait lequel on avait mis Dirty Dancing, je sais plus. Non, Pretty Woman. Ouais, t'as la scène de Pretty Woman, il descend dans la rue, bon, c'est marque le cinéma, non? Après voilà, il y en a peut-être pas beaucoup, mais est-ce que celle-ci faut la mettre?
L'âge de mon meilleur ami. Je me rappelle plus trop du film. Ah. Sinon, il y a quoi? Trainspotting. Trainspotting, mieux ou pas? Oui. Ah. C'est oui. C'est un grand oui, visiblement. Péril jeune. On part dans le film français, je crois. Ah non, il y a Full Monty. Allez, Full Monty, vous m'avez dit c'est cool, ouais. Full Monty, vous m'avez dit. Mais Péril jeune. C'est lui ou c'est non? Full Monty. C'est oui. Péril jeune, pas vu. Pas rajouter Arizona Dream. Non. En effet. Péril jeune culte. Arizona Dream. Hop. Requiem for a Dream. Alors ça, bon, je pense que c'est le genre de film aussi où tu t'es bien dans le mal à la fin. J'ai rajouté Marie à tout prix, oui. Trop dit de regarder, ça m'a saoulé. Ça peut arriver aussi. Culte mais dur. Mais ça, à la limite, enfin voilà. Quand on sait qu'on a mis le tombeau de Luciole dans le dans la liste, on sait qu'on n'est pas là pour rigoler. On peut faire une soirée déprime. On fait des thèmes, on peut faire un thème déprime. En vrai, je pense qu'après un tombeau des Lucioles, il faudra mettre un film un peu plus joyeux. On fera, on alternera film qui fait chialer avec film qui fait... Comme ça, on sortira mieux. Irréversible dans les films déprime. Irréversible, c'est le truc avec la scène de l'extincteur, là. Oh, putain. Avec Vincent Cassel, non? C'est pas Monica Bellucci. L'extincteur là. J'ai vu juste cette scène là, ça m'a choqué. Ton initial puis les visiteurs. Film monté à l'envers. Oh, ce spoiler. Il y en a d'autres. Le soleil vert. Le soleil vert, c'est science-fiction, non? Culte. Le soleil vert, culte. Les visiteurs en Amérique. Ah putain. C'est comme les bronzés font du ski 4. Les bronzés 4. C'est les bronzés et pas les bronzés font du ski. Faut arrêter. Anticipation, ouais, ça. Culte, alors, vous me dites. Très bien. Et il reste un film sur la liste, ajouté en tout cas à ce moment-là. Que vous pourrez valider ou pas. Plus, je sais plus pourquoi on l'a mis. On m'a dit culte, mais ça a pas l'air d'être le même culte. C'est les Goonies. Culte pop culture plutôt. Culte les Goonies. C'est validé par Vicky. J'ai jamais claqué ma perso. GG. Mais oui. C'est oui. C'est un oui les Goonies. Très bien. Voilà. Parfait. Vous voyez tout ce qu'on rajoute.
13 années 80. Ouais, je regarde les Gremlins aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Gremlins. J'ai dû voir une seule fois d'ailleurs Gremlins. Quand j'étais gosse. L'histoire sans fin, faut l'avoir vu petit pour apprécier. Mon pote il m'a dit faudrait qu'on mette l'histoire sans fin. Parce que moi j'avais déjà vu, mais je lui ai dit, on peut mettre si tu veux, hein, parce que c'est moi qui mets tous les films, donc bon, il peut mettre des films. Mais franchement, j'ai pas aimé. Hein. Je lui ai dit franchement, c'est vite tough. Hein. L'histoire sans fin, c'est vite tough. Hein. En plus, le dragon, il est dégueulasse. Alors bon, ça n'ajoute pas de charme au film, malheureusement. Ça, c'est parce que ça a mal vieilli. Ah, typiquement, le dragon de l'histoire sans fin, ah, il a mal vieilli. Un jour sans fin. Un jour sans fin qui est dans la liste aussi. Et c'est en mettant un jour sans fin que mon pote m'a dit « Ah, mais il faudrait qu'on mette l'histoire sans fin. » Oh, bah tiens. La pure vaisselle. Pure vaisselle que je gère maintenant d'une main de maître grâce à mon entraînement de folie sur Hollow Knight. J'ai passé l'ascension. Je peux vous dire que l'ascension de pure vaisselle, c'était pas la joie parce que le boss qui fait 4 de dégâts, tous les boss qui font 4 de dégâts, c'est... J'ai vu ou noté Total Recall. Non, pas vu, pas noté. Et mais alors, attention sur Hollow Knight, j'ai mis moins de temps. Moins d'essais, de temps, j'en sais rien, mais moins d'essais à buter pure vaisselle en ascension que Oumu en ascension, la méduse. Parce que la méduse en ascension, c'est le pire truc. Tu commences avec 0 mana, c'est le pire chier. Parce que dans le Panthéon, t'as du mana, mais là, tu commences avec 0 de mana, pire truc. Total Recall, c'est un grand classique. Eh ben... Vous m'avez rajouté, alors oubliez ce que j'ai sous les doigts, c'est rien. Vous m'avez ajouté tout ça, hein. Y a des choses à ajouter quand même. Hein. Toc. Harry rencontre Sally, nuit blanche à Seattle et 9 semaines et demie. Ah putain, enfin s'arrêter un moment. Hein. Compliqué là. Harry rencontre Sally. Nuit blanche à Seattle. Neuf semaines et demie. Putain. Hornet 2 en Radiante à cause de la pression. Alors que Hornet 2, en vrai, ça va. Hein. Mais Radiante, j'ai rien fait en Radiante pour l'instant. Il n'y a qu'une scène mémorable. Ah, je le barre. En plus, c'est le King qui m'a donné, je le barre. Toum. Twing.